Aujourd'hui, même tes deux pailles, la priorité ou pas plus? C'est un joueur sur lequel, oui, j'ai fixé une priorité. Contrairement à ce que j'ai lu ou entendu, je suis fan du joueur. C'est un joueur qui est percutant, qui est puissant, qui est capable de faire marquer, qui est capable de marquer, qui tire bien les coups de pied arrêtés. Donc c'est un joueur assez complet. C'est un joueur de côté aussi. Je pense que c'est là où on a besoin, avec l'absence de Rachid à la CAN. C'est un joueur qui est un jeune joueur encore, mais qui a déjà une belle expérience internationale et qui, je pense, a une marge de progression encore assez importante. Donc, voilà. Il se dit qu'il est difficilement gérable. C'est ce qui se dit, mais. Potentiel aussi là-dessus? Oui. Mais tous les cas, j'ai pas eu d'infos dans ce sens, le concernant. Je pense que c'est un jeune joueur, donc peut-être que parfois on dit des choses qui ne sont pas forcément la réalité.